Les grandes vacances sont déjà bien entamées et dans ce nouveau numéro des chroniques, je vous donne un petit zeste d'inspiration magique pour choisir vos lectures de l'été. Si vous avez envie d'amener de la magie avec vous en vacances, ça se passe maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la seconde édition des lectures magiques de l'été. L'an passé, je vous avais déjà proposé ma sélection estivale. Je vous remets la vidéo dans le petit i en haut de l'écran et je me suis dit que j'allais faire de cette thématique un petit rendez-vous annuel. Alors cette année, je vous ai gâté parce qu'il y en a pour tous les goûts. Au menu, un roman, un manga, une BD et un manuel de sorcellerie, tous en relation avec le monde de la magie. Et sans plus attendre, je commence par vous présenter cette petite pépite que j'ai dévorée en l'espace d'une seule soirée. Il s'agit d'une bande dessinée, Le Jardin des Fées, écrit par Audrey Alouette et illustré par Nora Moretti, paru aux éditions Dracou. Il s'agit du tome 1 qui s'appelle Bergère des Fées. Alors vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, je suis très attachée à tout ce qui concerne l'univers féerique. Dans mon dernier vlog, je vous montrais d'ailleurs mon hôtel pour les fées que j'ai aménagé sur mon bureau. Bref, cette BD, elle était vraiment comme faite pour moi et je vais vous la faire découvrir immédiatement. L'histoire s'ouvre sur l'arrivée de Lucie chez la famille de sa tante qui vit dans un curieux manoir en Normandie. On est au 19e siècle et dès le début de l'histoire, Lucie va découvrir toutes sortes d'étrangetés, non seulement concernant le lieu, mais aussi sa famille qui y habite. Il y a comme quelque chose de menaçant, de dissonant dans tout ce qu'elle observe, tant au niveau des échanges qu'elle a avec sa famille qu'en raison de petits événements vraiment surprenants. Cet endroit est en effet tout à fait singulier parce que tout semble gagné par une forme de pourriture. Et autre fait étrange, dans le jardin se trouve un grand arbre et une clairière abritant toute une communauté de fées. Mais ces fées sont menacées par un mal qui ronge inexorablement leur jardin. Lucie, la jeune fille qui séjourne dans sa famille, va donc essayer de comprendre ce qui se passe dans ce domaine et chercher des réponses. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la découverte de l'intrigue. Alors pourquoi cette bande dessinée est-elle un régal? Alors personnellement, j'ai adoré l'ambiance générale de cette histoire qui oscille entre mystère et féerie. D'ailleurs, c'est un récit qui mêle le passé et le présent par l'intermédiaire de la photographie, ce qui montre l'influence de l'affaire des fées de Cottingley qui avait défrayé la chronique en Angleterre au début du XXe siècle. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. L'autrice, elle a très bien réussi à faire cohabiter une sensation de malaise avec l'aspect poétique et lumineux de l'histoire. Et c'est ce contraste qui donne justement beaucoup de relief au récit. A savoir d'ailleurs qu'il s'agit du tome 1 et qu'une suite est à apparaître prochainement et j'ai trop hâte de le lire. Les illustrations quant à elles sont magnifiques, j'ai adoré les costumes, l'ambiance générale très soignée, la vibrance des couleurs. Bref, c'est une très belle lecture, croyez-moi. Je passe à ce roman que j'aime d'amour, les amis. Il s'agit de L'été de la sorcière de Nachiki Kao, une autrice japonaise éditée aux éditions Piquier. Alors, comment vous parler de ce roman? Il s'agit d'un tout petit texte en réalité, on est sur un 165 pages, donc c'est très vite lu. Mais alors, chaque paragraphe, chaque ligne se savoure comme on dégusterait un mets délicat et précieux. L'histoire se passe au Japon, c'est le début de l'été, et Mei qui ne veut plus aller au collège, car tout se passe très mal dans sa classe, est envoyée à la campagne chez sa grand-mère pour plusieurs semaines. La vieille dame vit dans une maison nichée dans un écrin de nature, coupée de la vie moderne des grandes villes, et elle y mène une existence sereine, en connexion intense avec ce qui l'entoure. Rapidement, elle révèle à sa petite fille qu'elle est une sorcière, et elle propose à Mei de lui enseigner ce qu'il faut savoir pour développer ses dons. Voilà, donc ça c'est le pitch général du livre, mais ce récit c'est tellement plus que ça. En réalité, il ne s'agit pas du tout d'un texte de type fantastique. Hein. La sorcière dont il s'agit, c'est pas une sorcière au sens surnaturel du terme. On parle vraiment de la magie dont je vous parle depuis toujours sur cette chaîne, qui n'a rien de spectaculaire en réalité, mais qui a tout à voir avec la conscience accrue des énergies qui nous entourent, des moyens dont nous disposons pour les orienter, et la magie du quotidien en somme. C'est un texte d'une douceur et d'une poésie
absolue. On est complètement immergé dans l'ambiance de cette petite maison à la campagne où les fleurs, les plantes, les animaux se déploient dans toute leur magie. Et bien sûr, tout cela pose le cadre de la relation entre May et sa grand-mère pour permettre une forme de transmission. La transmission, j'ai envie de dire, la plus précieuse que la jeune fille recevra de toute sa vie. Ce roman, c'est vraiment une ode à la simplicité, à la lenteur, à la beauté du vivant et des choses simples de la vie. Ça ressemble à un refuge, à un endroit dans lequel vous pouvez vous abriter l'espace de votre lecture. Et vous savez, je réfléchis souvent au concept de bibliothèque idéale, dans le sens d'une sélection de livres que j'aimerais transmettre à mes filles, parce que chacun des ouvrages qui s'y trouveraient serait la pièce d'un puzzle complexe, le tout formant comme un trésor renfermant une forme de sagesse, de connaissance, c'est quelque chose auquel je pense. Et je peux vous affirmer que cet ouvrage y a désormais toute sa place aux côtés de Anne au Pignon Vert, dont je vous avais déjà parlé l'an passé. Changement radical d'ambiance avec Rebel Witch de Kellyanne Maddox, paru aux éditions Danae, un label des éditions Alliance Magique. Alors avant de vous parler en détail de cet ouvrage, j'aimerais vous parler d'Alliance Magique justement. Vous en avez peut-être entendu parler, ou pas, mais le monde de l'édition connaît actuellement une crise d'une ampleur sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'il y a depuis plusieurs mois une pénurie de papier. Cette pénurie de papier, c'est la conséquence de la crise sanitaire, de la hausse des prix de l'énergie et de la place prédominante du carton dans notre société. Aujourd'hui, les éditeurs sont complètement étranglés car les prix du papier s'envolent avec une inflation pouvant aller parfois jusqu'à 50%. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais des entreprises comme Amazon et les habitudes d'achat en ligne trustent la majorité de la pâte à papier pour créer des emballages en carton. C'est aussi le cas de l'industrie pharmaceutique qui paye plus cher les matières premières pour faire des emballages de médicaments. On est dans une société du suremballage. Ajoutez à cela les prix délirants du marché, les transports perturbés par la pandémie et la baisse de consommation de livres par les particuliers à l'heure où l'inflation fait rage et les éditeurs mettent la clé sous la porte les uns après les autres parce qu'ils finissent par travailler à perte tout simplement. Donc c'est le cas d'Alliance Magique qui est une maison d'édition qui n'a pas l'envergure d'un géant comme Hachette ou Gallimard par exemple, donc qui ne peut pas se permettre d'encaisser le choc sur le long terme. Arnaud Tully, le directeur d'Alliance Magique, il a fait une vidéo où il explique très bien toutes les difficultés auxquelles il fait face et les décisions dramatiques qu'il a dû prendre. Je vous mets la vidéo dans le petit « i » là et en barre d'infos. Allez la voir. À mon sens, c'est important de soutenir aujourd'hui Alliance Magique, mais aussi les petits éditeurs de manière générale. Et si je vous dis ça, c'est pas seulement parce que c'est mon éditeur en réalité, si je vous dis ça, c'est parce que Alliance Magique, c'est une maison d'édition qui est un acteur fondamental de la diffusion de la connaissance dans les domaines de l'ésotérisme, de la magie et de la sorcellerie en langue française. Jusqu'à récemment, si on voulait lire de bons ouvrages sur la question, on n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers les ouvrages en anglais. En France, on n'avait que Papus et d'autres auteurs très anciens et très difficiles d'accès pour se lancer. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, quand j'étais ado, j'ai commencé par Le Grand et le Petit Albert. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous souhaite bon courage pour pratiquer avec ça. Il faut s'accrocher. Pendant 6 jours, au lait, la semence ressemble. Et après 9, du sang, elle prend la couleur. En 12, les membres s'unissent tous ensemble. En 18, se fait l'homme. Ensuite, il prend vigueur. Aujourd'hui, Alliance Magique a complètement transformé le paysage et c'est grâce à eux si on a eu non seulement de nombreuses traductions d'auteurs anglophones vraiment formidables, mais c'est aussi grâce à eux que les auteurs français ont pu trouver un espace pour être publiés. Parce que jusqu'à très récemment, les arts occultes n'étaient pas du tout à la mode, c'était un secteur de niche qui n'émergeait pas vraiment. Et Alliance Magique était déjà là pour œuvrer à faire sortir ce domaine de l'ombre. À mon sens, l'Alliance Magique, c'est plus qu'un éditeur, c'est aussi une institution. Et je suis vraiment triste qu'elle soit aujourd'hui menacée, mais je pense aussi que c'est dans ce genre de moment que notre belle communauté doit être solidaire. Alors concrètement, on peut aider Alliance Magique à traverser la tempête, ça veut dire déjà acheter leurs livres en passant non pas par Amazon, mais directement par votre libraire. N'oubliez pas que les libraires sont eux aussi menacés. Ça veut dire aussi parler d'autour de vous, sur vos réseaux sociaux, les faire connaître, bref, faire les bons choix. Et tout cela m'amène à vous parler enfin de Rebel Witch, qui est à mon sens une très chouette lecture estivale pour tous les pratiquants de la sorcellerie qui souhaitent s'affranchir des codes et bâtir une pratique qui leur ressemble. Alors entendons-nous, il ne s'agit pas d'un livre pour débutants, ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà mis un pied dans la magie, mais qui ont de la difficulté à se reconnaître dans les rituels et les pratiques qui sont mis en avant dans la Wicca par exemple, ou sur la sphère d'internet de manière générale. Dans ce livre, vous n'apprendrez pas de technique, dans ce livre, vous allez surtout apprendre à casser les codes et à vous libérer pour devenir la sorcière ou le sorcier que vous êtes dans toute votre singularité, en envoyant balader toutes les injonctions, tous les a priori, mais aussi toutes vos peurs.
L'autrice, Kellyanne Maddox, elle est ultra badass. C'est une femme qui s'assume complètement, qui ne se laisse pas dire ce qui est bien ou pas. Elle exerce son art exactement comme elle en a envie. On pourrait dire qu'elle est souveraine dans sa façon de vivre la sorcellerie. Et cette dimension me parle particulièrement parce que, vous savez, il n'y a pas une façon de pratiquer la magie, il y en a en réalité autant qu'il existe de sorcières. Seulement, on pourrait avoir l'impression du contraire, notamment parce que la Wicca est majoritaire dans ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la sorcellerie moderne, mais aussi parce que les réseaux sociaux nous donnent à voir des pratiques des autres et que nos propres pratiques sont mises en avant sur Internet et prêtent le flanc au jugement et à la critique. Alors moi, mon avis sur tout ça, c'est que chacun fait bien ce qu'il veut. Mais j'espère que vous le ressentez au fil de mes vidéos. J'essaye toujours de vous mettre le pied à l'étrier pour que vous puissiez ensuite vous approprier les techniques, faire vos expériences. Et dans Rebel Witch, l'autrice fait auprès de vous, lecteur, tout un travail d'empuissancement pour que vous puissiez prendre confiance en vous, vous poser les bonnes questions et vous défaire des injonctions relatives aux pratiques sorcières pour vous mettre sur votre propre voie. Alors je vous le répète, ce n'est pas un livre qui vous donnera des correspondances ou des exemples de sortilèges. Hein. Précisément parce que Kellyanne, elle vous pousse à être autonome, à créer vos propres sortilèges pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est encore plus puissant. Et dans le style, c'est aussi un livre écrit sans chichi. L'autrice, elle écrit comme si elle s'adressait à une bonne copine, hein, ce qui au final donne beaucoup de légèreté à l'ensemble, mais qui n'amoindrit pas le propos. Et je la trouve même plutôt rigolote parce qu'elle n'hésite pas à nous parler de ces trucs un peu étonnants. Par exemple, elle nous confie qu'elle voue un culte à Freddie Mercury, comme on pourrait vouer un culte à une déité ou à un ancêtre, et qu'elle a un hôtel spécialement pour lui. Donc vous voyez, elle a ce côté très décomplexant qui fait du bien. Voilà, pour Rebel Witch aux éditions d'Anaé. À bientôt. Waiting for the knock to knock me out. Waiting for the knock to knock me out. Waiting for the knock. Et pour finir, je vous présente La sorcière aux champignons, un manga paru chez Glénat, écrit par Tachibana Higuchi. Vous l'avez peut-être vu passer si vous avez regardé mon vlog du mois de juin. Je l'ai lu à la plage quand j'étais à l'île d'Oléron. Et ce manga, c'est un véritable petit bonbon pour les sorcières. On le lit le sourire aux lèvres avec une forme de contentement à la fois enfantin et malicieux. Dans cette histoire, on rencontre Luna, une jeune sorcière qui vit au fond de la forêt avec quelques compagnons magiques à l'écart des humains. Elle fabrique toutes sortes de remèdes extraordinaires qu'elle amène ensuite en ville pour les vendre à un apothicaire. Seulement, Luna est une sorcière noire et elle a la particularité d'être toxique. Les humains ne peuvent pas la toucher et surtout, lorsqu'elle marche, elle laisse dans son sillage toutes sortes de champignons qu'il ne faut absolument pas toucher. Bien sûr, tout le monde se méfie d'elle et la condamne alors que la vérité est bien plus complexe. Luna a un rôle, une fonction très importante que les habitants de la ville ne comprennent pas. J'ai trouvé ce manga très touchant et en plus, il est d'une mignonnerie mais absolue. Et au final, même si j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est avant tout les dessins et la richesse de l'univers que j'ai apprécié. On vit dans une esthétique médiévale teintée de magie et l'autrice, ça s'est vraiment fait plaisir. Et elle n'hésite pas à intervenir dans le texte pour nous le dire. Donc, par exemple, il y a des pages consacrées uniquement à la façon dont Luna est habillée en fonction des moments de la journée, de saison, avec des variations. Et puis surtout, il y a mes pages préférées, c'est-à-dire des pauses dans le récit pour expliquer les détails magiques de l'univers de la sorcière. Par exemple, il y a un plan complet de sa maison champignon et de la façon dont elle fonctionne, encore une partie sur le chapeau de Luna et ses particularités. C'est absolument charmant et ça vient satisfaire, en tout cas me concernant, ma soif de merveille. Voilà pour cette petite sélection de l'été. Ce sont tous des ouvrages que je trouve faciles à lire en vacances quand on veut se détendre et j'espère qu'ils vous plairont. Merci de m'avoir écouté. Pensez aux petits gestes pour soutenir mon travail, c'est-à-dire vous abonner, commenter, liker la vidéo et la partager en masse autour de vous. Je vous souhaite de merveilleuses vacances.